The conference is in presentation mode. The conference will begin when the next party joins. You will hear silence until the conference begins. Bye.
approfondir connaissance sous la Bible, l'église Vision des élus venir avec un programme pour vous qui porte nom les amis de la Bible. Un programme lecture biblique qui a une possibilité pour lire Bible aller de Genèse à Apocalypse à distance quel que soit côté yé dans le monde là. Si vous avez participé dans le programme ça, tapez 952 222 1750 code 305 305 23 10 sur aux États-Unis, si vous dans pays d'Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et la Trier, allez sur WhatsApp sur numéro 561 909 78 31. Nous ca aller tout sur Facebook, YouTube, tapez Radio Vision des élus, ou capable suivre le programme là dans toute intégralité. Nouvelle session à 15 janvier 2024, chaque soir sorti 6h pour arriver 7h30 du lundi au vendredi. Profitez moment ça avec pasteur Mondésir Joseph pour découvrir quelle qualité bénédiction qui gagne la Bible. Dans souci pour développer une bonne relation ministérielle avec la communauté chrétienne haïtienne, l'église Vedette, Vision des élus du dernier temps qui est dans Miami, Floride, intéressé partager à court calendrier principal activité ministérielle Lio. Dimanche 8h-11h, études bibliques, adoration et louange. Dimanche soir, 7h, dernier service. En ligne, mardi 9h midi, devant le trône. Cri de minuit, vendredi 9h minuit. Lecture biblique de Genèse à l'Apocalypse, lundi au vendredi 11h midi, à souhait 6h-7h. Ou intéressé à rejoindre l'église Vision des élus du dernier temps, nous n'en 128-00 North Miami Avenue, Miami, Floride 33-168. Ou qu'à contacter secrétariat pasteur Joseph Mondésir non 305-305-2359. Ou qu'à suivre Vedette sur différentes plateformes électroniques LIO, www.vedetrtv.org. Facebook et YouTube, tapez Vision des élus en un seul mot. Sous Zoom, 585-318-4941. Contactez Vedette dans USA, 952-222-1750. Access code 305-305-23+10 ou 40. Restez connecté à Vedette et puis partagez. Bonjour, bonsoir mes bien-aimés. Saluer nous apprécier nos Seigneur, nous là. Donc nous t'es là matin, bon Dieu permette que nous retourner encore pour nous continuer avec programme nous lecture biblique de Genèse à l'Apocalypse. Donc comme saluer nous toutes qui est en ligne. Saluer nous. Quoi que nous gain Bible nous la main nous. Nous prenons place normale nous, et nous allons commencer pour la gloire de Dieu. Est-ce que Saint Johannes a prié pour nous commencer, s'il vous plaît, Saint Johannes, bon Dieu béni. Saint Johannes a prié pour nous. Oui, parce que vous voulez faire parler pour la gloire de Dieu. Salut dans le nom de Jésus, salut tout petit bon Dieu. Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs.
Oh, mieux te connaître, mieux te servir. C'est pour ça, c'est après-midi, chaque après-midi, nous venons dans la présence du Seigneur. Nous venons lire la parole. Et nous venons, Seigneur, de nous demander ce que c'était pour capable d'animer nous. Fait que nous avons une bonne disposition. Pour capable non seulement lire, mais comprendre. Fais ça pour nous, Seigneur. Béni pasteur, nous qui toujours là, fidèle au rendez-vous, cher Seigneur. Et tous les amis, les amis de la Bible, qui viennent pour lire ensemble avec nous, Seigneur. Béni nous, Seigneur. Fais-nous grandir dans la foi avec parole. Ouais. Matthieu 4, 4 dit, homme de vie, pas seulement de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche. C'est à cela, nous parlons, Seigneur, de pour nous nourrir. Fais ça pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, qu'à vivre, qu'à régner jusque dans l'éternité. Bon Dieu bénis nos pasteurs, bon Dieu bénis les amis de la Bible. Bon Dieu bénis nous tous, nous saluons, nous apprécions, nos Seigneurs. Donc, pas oublier, nous dans le livre Esther. Nous allons continuer avec chapitre 4, Sœur Nicole. Nous demandons tout le monde qui a plié pour nous. Fait étoile 5, s'il vous plaît. Sœur Nicole, chapitre 4. Sœur Michel, chapitre 5. Sœur Duto, chapitre 6. Sœur Suzanne, chapitre 7. Ensuite, nous gagnons Sœur Jocelyne, chapitre 8. Sœur La Fortune, chapitre 9. Chapitre 10, Sœur Marthe. Et après ça, nous allons traverser dans Job. Et nous allons demander à ce Guy pour présenter nous le livre de Job. Ce Soufra a commencé avec chapitre 1er, c'est Léon, chapitre 2, c'est Sanon, le chapitre 3. Donc tout le monde qui s'il vous plaît, fait étoile 5 pour nous capables d'identifier. En commençant avec Sœur Nicole, Sœur Nicole a commencé pour nous avec Esther, le chapitre 4. Sœur Nicole, bon Dieu, nous passons mon désir, bon Dieu, nous passons mon désir, bon Dieu, les amis de la Bible, nous allons lire ensemble Esther, chapitre 4. Consternation et jeûne parmi les Juifs. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché,
tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vue sauve, à qui le roi sent le serpent d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles de Sire eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché put répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échappes seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi? Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Verset 17, mon finir, Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné, parole du Seigneur. Merci, Pasteur Mandésir. Merci, merci, notre bien-aimé Sœur Nicole. Le verset 14, c'est là le message de Mardoché. Et qui sait? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il y a des places, bon Dieu, mettez-vous, les comptes pour qui ça le mettez-vous. Parce que l'omniscient, l'omniprésent, des fois, bon Dieu fait le conseil parce que le connaît, l'a besoin. Donc, c'était le message de Mardoché. Ah, Esther, pas penser que parce qu'on n'a pas les rois, on va échapper. On va continuer avec Sœur Michel dans le chapitre 5. Sœur Michel, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, on passe mon désir. Il me salue dans le précieux nom de Jésus, toute l'assemblée, les amis de la Bible. Chapitre 5. Esther, chapitre 5. Démarche d'Esther auprès du roi. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. »
Amon cherche à faire périr Mardoché. Verset 9. Amon sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi, Mardoché qui ne se levait ni ne se remit devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérès, sa femme. Amon leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rôle qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. » Zérès, sa femme et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on épaule Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Amon et il fit préparer le bois. Amen. Parole du Seigneur. Merci, notre bien-aimé Sœur Michel. Donc, bois Amon préparé pour alpon Amon. Mais c'est l'erreur que monsieur fait. Monde qui n'a bon Dieu, même si vous prenez longueur, ce n'est pas un bon longueur vous prenez parce que c'est responsable dans bon Dieu. Donc, on a regardé pour nous, ça ne va pas passer. On continue à Sœur Dito dans le chapitre 6. Esther, chapitre 6. La paix à vous, ma soeur, mon désir, moi salue tout le monde sous nous. Nous allons lire ensemble Esther, le chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, parce que, cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On l'a lu devant le roi. Et on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Térès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Amon était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amon qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Verset 6. Amon entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amon se dit à lui-même, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Et Amon répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Le mettre le vêtement et le cheval
à l'un des principaux chefs du roi, puis, revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Le verset 11 du chapitre 6. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zéret, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zéret, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et le dernier verset, comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisèrent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé, parole du Seigneur. Amen, amen. Nous connaissons, c'est ça, chapitre ça a montré, bon Dieu noir, son bon Dieu d'événement. Les pour délivrer mon parle. Serviteur, moun ki pole, pa gen moyen l pa utilize. Li créé même des événements. Donc gen deux événements n'ap souligne pour nous. Premièrement, bon Dieu coupé sommeil, wa pa ka dormi. Ay bon Dieu coupé sommeil. Et c'est pendant coupé sommeil li il y a li livre côté que tout bagage qui passe dans pays a enregistré. Eh bien, il y a noté dans bien que Mardochée t'est fait, c'est Mardochée qui t'est sauvé roi Assyrus. Donc nous changer noté li ça. Et ça fait nous doué qu'on est nous doué faire bon bagage. Poser bonne action pour nous capables de bailler bon Dieu côté pour le passé, les bon Dieu a délivré nous pour joindre nos bonnes notes. Donc, ça, c'est bonne note. Ma société font bonne action avec le roi et enregistré. Et bon Dieu a cherché dans notre monsieur. Et puis, il va jouer une bonne note. Ça, c'est la première action que Dieu pose. Deuxièmement, il arrange pendant que Aman a vu triompher sous tête Mardochée, la vie demande autorisation. D'ailleurs, pas grand rien, homme, ça a demandé ou à pas accordé. Et puis, c'est dans le même moment, ça, bon Dieu pourra l'humilier Aman. Parce que Jean-Ouais, Zeresh, Madame Mardochée dit Mardochée, ouais, mon Zayo, depuis c'est avec qu'on a fait, depuis c'est à Juif qu'on a fait, ou fait commencer à tomber devant. Ou tombe en première fois, ou à tomber. Et c'est ça pour aller, à moi pour aller retourner tomber encore. Ce qui est ça, quoi, c'est? Nous, madame Aman. Oui, Jiresh. Merci, c'est mon désir. Donc, Jiresh dit quoi, depuis ça, mon Dieu, on a fait. On commence à tomber devant eux. On continue à tomber, c'est ça qu'elle passe.
Donc, gen moun ou pa ka manyen, e moun bon Dieu li. Gen moun ou pa ka fè mal. Gen moun ou pa ka ou même sou ta de yo dou, y ap tuye moun, y ap prend zombi moun, gen moun ou pa ka fè sa. Moun sa se moun bon Dieu li, ou pa bezwen etan ou ap pèdi. Donc, on a continué avec Sœur Suzanne dans le chapitre 7. Esther, chapitre 7. Merci, pasteur. Bon Dieu bénit nous, pasteur. Bon Dieu bénit tous les amis de la Bible. Nous allons lire ensemble Esther, chapitre 7, pour gloire à bon Dieu. Pendant ce temps, d'Aman. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Reine Esther, elle te sera accordée, que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le bon, et si le roi trouvait bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple. Pour être détruits, égorgés, anéantis, encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. C'était fait. Le roi prit la parole et dit à la reine Esther. Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant. Aman fit saisir de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitter le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa fête était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin. Il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fit sortir de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Verset 9. Et Abona, l'un des uniques, dit en présence du roi, voici, le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées, le roi dit, qu'on y pend Aman, verset 10, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Parole du Seigneur. Merci, pasteur. Merci, sœur Suzanne. Donc, ça veut dire qui ça? Ennemi a fouillé tout le qui ça nous remarqué? C'est lui-même qui tombait là-dedans. Il a acheté
manchette li pou le couper tête. Même Jean et Goliath te filé manchette li pou le couper tête David. Et bien c'est avec même manchette ça tête Goliath coupé. Parce que bon Dieu c'est lui-même qui a contrôle des événements. Et avec nous pas droit prendre pression dans même monde faire menace. On a fait nos menaces et puis non. Côté sous bon Dieu, fais bon Dieu confiance. Gon bagay que bon Dieu va jamais faire, c'est livrer moun pa yo. Li pa van yo, li pa bay yo, li pa déboucanter yo. Li pa livrer yo. Sou fait bon Dieu bagay, l'autre bon Dieu ta livre au moun. Ou met konnen mon cher ou. Et deux gens le fait ça, soit le compter sous, il connaît li jouer sur le pape di bataille ou bien s'il t'a livré c'est pour la jouer avec ennemi en puis devant c'est pour le corriger on dit va faire ça n'a continuer avec sœur Jocelyne dans le chapitre 8. Bonsoir pasteur Mandézé, bonsoir à tous les amis de la Bible. Nous prenons Esther 8. En ce même jour, le roi Assyrius donna à la reine Esther la maison d'Ama, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Ama et lui donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Ama. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Ama. La guerre et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se leva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amant, fils d'Aménata, la guette, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui a atteint mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assyrie dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Ama. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la maison, pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Au nom du roi. Et c'est là avec l'anneau du roi. Par une lettre écrite au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. Le secrétaire du roi s'est appelé en ce temps. Le 20e jour du 3e mois, qui est le mois du suivant, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des saints des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province, selon son écriture. À chaque peuple, selon sa langue. Et aux Juifs, selon leurs écritures et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrie et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya des lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie.
de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants, avec leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuré, 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar. Cette lettre renfermait une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informer tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là et à se venger de leurs ennemis. Les courriers montaient sur les chevaux et les mulets, partis aussitôt en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché servir pour chercher le roi. Mardoché sortir de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de biseau et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur, de joie, d'allégresse et de gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie, de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Parole de Dieu, parole de victoire. Amen. Amen. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait, bien-aimé. Amen. Alors, nous, qu'a pas comprendre en plus à gain. Pablier, comme âme versée dans le trésor royal, c'est pas pour Mardoché, tuer Mardoché seulement, non? C'est pour exterminer le peuple juif. Et c'est ça que fait me dit nous, soit qu'a passé à Gaza, qu'a passé entre les Palestiniens, Hamas avec Israël, c'est pas bon aujourd'hui. Et c'est toujours, même les peuples ça ont manqué, non, ouais, ça fait dans le jeûne, nous qu'on fait nos lissons, quand il fait toi. Bagay depuis l'époque David, et David qui écrit somme ça, et la période David. Côté objectif yo de tous les temps, c'est exterminer Israël, c'est disparaître Israël de la carte. Pour Israël, pas exister encore. Pousser Israël à la mer. Pour yo pas jamais tendre un peuple comme ça qui existe. Par exemple, là, si bon Dieu pas intervenu, peuple Israël a exterminé. Mais ça doit là que nous pas connaît et nous pas pour l'écrit. Derrière ça qu'a fait là, esprit qui animé ça, c'est le diable. Parce que pas oublier, bon Dieu a un gros projet côté que le besoin de sauver l'humanité. Et moun sa k'ap vini pour sauver l'humanité, c'est dans peuple juif là l'a sorti. Et ça fait depuis où l'Éternel te prend décision ça. Et dans Genèse chapitre 3 verset 15, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, donc la tête de Satan, et tu briseras le talon. Depuis les ça, Satan cherchait postérité ça pour le détruire. Parce que le pavlé ça. Le pavlé, moun sa vini pour sauver moi et ma mère. Donc c'est ça qui fait derrière toute guerre pour éliminer Israël. Yo. Il y a l'armée et ça qui fait wele yo, la sainte guerre. Même Jean-Cantique l'a dit dans 2:22 français. Il est une sainte guerre. C'est un combat divin. C'est une guerre
entre le ciel et la terre, entre la vérité et le mensonge, entre l'enfer et le paradis. Et ça cap défend là. Et c'est ça pour nous comprendre. Le nous, le, par exemple, diable, ouais que nous décider, nous avons conviction pour nous sauver, et bien là, fait tout ça dépend de nous pour le détruire, nous parce qu'il pas voulu ça. Donc là, c'est comme d'abord son petit fil qui était pour le peuple juif là exterminer. Mais bon Dieu va quitter ça. Et à chaque fois ça arrive dans l'histoire, bon Dieu pas jamais chance. Non, bon Dieu pas livrer peuple. Même les Israël fait bagaille qui pas bon, la calé yo, la fouetté yo et nous ouais ça. Voyez yo dans l'autre pays dispersé, humilié yo. Mais même là les humilié yo pas monter sur yo comme ça. Parce que mon bon Dieu a relé mon bon Dieu. Qui était bon Dieu réglé à faire la peuple, mais pas rentrer là-dedans. On va continuer avec Sœur la Fortune, le chapitre 9. Bon Dieu béni, ou pasteur, mon désir. Dieu béni, bon Dieu béni, tous les amis qui sont avec nous ce matin. Nous allons lire ensemble Esther chapitre 9, Vengeance des Juifs. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur père, et personne ne put leur résister. Quand la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutiennent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Sus, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vajezata, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Sus, la capitale, 500 hommes et les dix fils d'Aman. Comment s'il fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que soit permis aux Juifs qui sont assurés d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman. » Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Sus. On pendit les dix fils d'Aman et les Juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Sus 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Sus s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour,
se reposèrent le 15e jour et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amedata, la Gadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abikaïl, et les Juifs Mardochée, et le Juif Mardochée écrivirent d'une manière puissante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les périls. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et leur cri. Verset 32, le dernier verset. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des périls, et cela fut écrit dans le livre. Parole du Seigneur, bon Dieu béni, au pasteur. Merci, sœur La Fortune. Voilà la belle histoire, mes bien-aimés. Et au pape, j'aime jouer un nom, bon Dieu, écrit la donne. Mais si n'a pas gardé, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu qui défend son peuple. Dieu qui préserver la vie de son peuple, un bon Dieu qui n'a pas livré le monde. Donc, c'est vrai, l'ennemi a été arrangé pour l'éliminer, mais au lieu que l'éliminer, il vient plus puissant. Par exemple, sauter pour Mardochée, Mardochée son nom, c'est dans Bani Voltaire, d'ailleurs. C'est bon Dieu qui vient lever avec Esther qui vient reine. C'est nèg qui toujours sous ça qui a gêné, etc. Et qu'ils ont remarqué. Eh bien, bon Dieu levé. Bon Dieu glorifié, me levé aux yeux de tout le monde. Dans la place Aman, c'est Mardochée qui vient occuper la place. Bag qui est dans droite Aman, c'est dans la bague, dans la droite Mardochée qui vient. Car côté allemand Aman t'es habité, c'est Mardochée qui habite là-dedans. Et il dit ça, dans le sotli ça, monsieur vient puissant, très connu, pas seulement à Suse, mais dans tout le royaume,
Parce que tout le monde reconnaît que bon Dieu est avec. Donc, pour ça, pour nous servir bon Dieu. Nous ne pas servir bon Dieu pour grand ici. C'est pas un mauvais choix. Non. Dieu défend son peuple. Ce matin a terminé pour nous avec Esther, chapitre 10. Il y a seulement 3 versets là-dedans. Ça, ou déjà, ouais, ça c'est mon cap pensé pour ce matin. Il y a une série chapitre là pour ce matin. Yo bail ce mat un chapitre pour pas gain trop problème pour lui. Ce mat bon Dieu béni ou bon ban de mieux ce mat. Ce mat bon Dieu avec ou gain la parole. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous ce mat. Bon Dieu béni. Mes amis, c'est madame dit nous bonsoir bam mio téléphone bam de mio téléphone là pour nous tous répondre c'est mat pour la gloire de Dieu. C'est mat. Saluez nous mes amis. Yes. Ok. Amen. Bon Dieu nous sema. Bonsoir les amis de la Bible. Bonsoir. Let's go, Semat, let's go. Moi, bonhomme, et c'est les gens de Dieu, et là, je m'adresse. Le roi a mis un beau jour, un privé au Dieu. Au Dieu de la mer. Tous les biens concernant la vie des injections et les détails sur la grandeur. À laquelle le roi il va m'adresser. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques? Les sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques? Des chroniques des Mèdes et des Perses. Des rois des Mèdes et des Perses. Le verset 3. Verset 3. Quand le juste Mardoché était le premier, le
roi a dit, après le roi a dit, continuez comme les jeunes. Et mes amis qui sont des frères, ils recherchent le bien de son père. Et par là, pour le bonheur de tous les enfants. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci, amen. Bravo pour le Seigneur. C'est Matthieu, son chapitre là, même s'il y a trois versets là-dedans. Bah, bon Dieu, gloire amen. Pour lui. Amen. Bon Dieu, béni nous. Good job, c'est Matthieu. Good job, okay. Good job. Ok. N'a pas continué. Alors, mes bien-aimés, nous sommes terminés avec le livre d'Esther. Belle histoire. Parce qu'il est édifié. Parce que vous pouvez tirer des leçons là-dedans. N'a pas continué avec le livre de Job. Maintenant, n'a pas demandé ce Guy pour présenter nos livres de Job. Pour la gloire de Dieu, à nous écouter ce Guy pour nous. Pour nous demi-autre, ce Guy. Voilà, ce Guy, vous avez la parole. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur. Nous allons présenter Job que nous avons dans la page 33. Ta parole est une lampe à mes pieds. Comme on n'est pas certain de l'auteur du livre de Job, on a suggéré plusieurs noms. Élie, Moïse, Salomon et Job lui-même. Il est probablement écrit entre 1440 et 900 avant Jésus-Christ. Terme et enseignement, la problématique de la souffrance. Job est le premier livre de la sagesse biblique. Ce livre traite de l'expérience humaine dans son ampleur où la souffrance apparaît comme la voie pour éprouver la foi et pour éduquer et sanctifier le juste. Job est une figure de Christ, car comme lui, il a tout perdu, subi l'ignominie et la souffrance, puis a été restauré. La pensée centrale du livre, c'est que Job a entendu parler de Dieu et que son œil l'a vu au travers de ses soins providentiels. Parole bon Dieu. Amen. Merci, Sœur Guy. Alors, nous connaissons Livio, classé par groupe. Nous avons premier groupe, c'est le Pentateuque qui te gagne. Et cinq premiers livres là-dedans. Après ça, nous passons dans le livre historique. Nous commençons avec Josué jusqu'à Esther. Et maintenant, après le livre poétique, nous parlons de bel poème tout dans le livre ça, qui commençait avec Job. Premier monde qui a pris pour nous, le premier chapitre, c'est Sœur souffrant. On nous garde côté nous, je ne sais souffrant. Si c'est souffrant, pas fait étoile 5. On va faire qui côté lié. C'est souffrant, ok. Ok, la parole, c'est souffrant. Job, chapitre 1er. Bon Dieu béni, on passe ma désir. Bon Dieu béni, ce mat. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, tous les amis de la Bible. Job 1. Il y avait dans le pays juif un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était ferme et droit. Il croyait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs.
Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Job 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Lui, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Comme Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job a fait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, rayant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant armé, touche à tous ceux qui lui apportent. Je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il lui apporte, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira d'eux devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, ils buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Bien, se sont jetés dessus, les ont élevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis. Et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, t'as des impôts formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi, seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul d'en apporter la nouvelle. Ce premier, le verset 20, 21, 22 pour finir. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jeta par terre. Il posterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné,
Et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point une âme. Il lui a rien de juste à Dieu, parole du Seigneur. Amen. Merci, Sœur Souffrant. Donc, chapitre ça a présenté nous plusieurs bagages de Job. Premièrement, caractère Job, c'est un monde qui était intègre, droit, qui a une crainte pour bon Dieu. Et monsieur, qui a une horreur du mal, Jean Bible a dit. Le chapitre ça a présenté famille Job, tout, prospérité, monsieur. Donc, d'ailleurs, nous noter ça pour le bon Dieu pral. Alors, ça permet de nous, ouais, nous noter prospérité Job. Eh bien, et qui désastre Satan fait dans la prospérité. Ensuite, piété Job. Donc, nous, ouais, son monde. Si Timounio sortit, il ne va pas encore Timounio capéché, il présente sacrifice pour eux. Ensuite, chapitre verset 6 a montré que pour raison parler, bon Dieu choisi pour le compter sur Job, il jouait sur Job. Et comme nous allons regarder, Job n'a pas fait honte. Ils ont même chapitre ça tout, nous avons premier assaut de Satan sur bien Job, lui débalisé, le détruit, tout ça, Job déposé. Nous avons Sœur Léon qui a continué pour nous avec le chapitre 2. Job chapitre 2. Sœur Léon. Merci, pasteur. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons tout bien-aimé qui souligne en tout à la gloire de Dieu. Nous prenons ensemble le chapitre 2. Job. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, amenez, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Nous lions ça déjà. Oh. Yeah, c'est chapitre 3. Va-moi, Non, c'est chapitre 2. Hein. Où m'est allé? Verset 3. Le 3? Le chapitre 3, verset 3. Non, chapitre 2. Ok. Yeah. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu n'hésites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour. Tout ce que l'Éternel possède, un homme, il le donne pour la vie. Mais étant la main, touche sa vie. Mais étant la main, touche sa vie. Mais étant la main touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr
à ses os et à sa chair. Et je suis sûr à ses os et à sa chair. Non. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel qui te maudit en face, oh oh. Dit Satan, voici, je te livre seul. Dit à Satan, voici, je te livre seulement. Épargne ta vie et Satan se livre. Seulement épargne ta vie. Oh oh. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job de mille serres malins, puis il frappa Job de mille serres malins. Oh oh. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le cendre, sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz et Théran, Bildad et Séchia et Tophan et Naama apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne se reconnurent pas et ils élèvent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs vêtements et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent aussi à la terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il y voyait combien sa douleur était grande. Parole du Seigneur, merci de mes pasteurs, merci de vos amis. Ok. Ok, merci, Sœur Léon. Nous continuons avec Sœur Sanon dans le chapitre 3. Ouais. Merci, pasteur. Blessé Job. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, péris le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'ait point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées s'établissent. L'air demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes d'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en face leur croient, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les noirs, les mois. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exister le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule d'obscurisse, qu'elles atteignent enfin la lumière. Et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère?
Pourquoi n'ai-je pas existé au sortir de ces entrailles, mon Dieu? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Et des mamelles pour m'allaiter. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre. Qui s'est bâti des mausolées avec les princes qui avaient de l'or et qui remplit l'argent l'air de mer, où je n'existerai pas, je serai comme un avortement caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Verset 17. Là ne s'agit plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent enfin la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Verset 22. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu peine de toutes parts? Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Verset 26 pour finir. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'en emparé de moi. Parole du Seigneur. Merci, c'est Joannès. Fini, oui, pasteur. Oui, bon Dieu, bienvenue, c'est ça, non? Oui. Donc, quand nous baillons, bon Dieu, gloire, nous arrivons à la fin de l'Issa à soir. Donc, nous parlons un petit peu rapide parce que le livre, ça n'a pas de gros chapitre là-dedans. Et nous parlons plus rapide. Nous parlons passer Sœur Joannès pour faire admission pour nous. Donc, c'est bien pour nous être ensemble à soir encore. Pas oublier, Tianos, pour nous défaire. Ah, c'était le téléphone, Sœur Joannès. Téléphone Saint-Joannis a fermé. Saint-Joannis raccroche téléphone ou on relé encore parce que téléphone ou a fait un pile bruit. Et a relé encore pour nous ça qui gagne la donne. Donc, pas oublier mes bien-aimés. Vendredi, si Dieu veut, je voulais faire un exposé. Je me dis vendredi, alors pas dans la lecture biblique, là, on a fait lecture normalement. Mais dans le cri de minuit, on m'a évité, non? On a commencé à 9h, vers 9h30. Je voulais faire un débat, faire parler, faire exposer sur l'événement qui passé hier, là, à savoir l'éclipse solaire. Là. Parce que chaque monde, ça s'est interprété, les gens parlent. Mais nous-mêmes, cap la Bible, nous-mêmes, cap suivre le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus t'a parlé de l'éclipse solaire. Nous même cap li Bible a parlé de l'éclipse solaire. Comment nous comprendre? Parce que pas rien qui doit échapper nous en termes de connaissance, parce que le Seigneur t'a alerté nous déjà. Donc si il est possible pour vous joindre avec nous vendredi si Dieu veut pour nous faire parler, n'a gain l'autre serviteur qui a là pour intervenir pour sujet ça pour que plus lumière, plus connaissance. La bon pour vous. Pour continuer marche ou continuer, eh bien, persévérance ou,
dans le Seigneur. Et à nous demander Saint Johannes, au moins Saint Johannes monté, oui Saint Johannes monté. Donc Saint Johannes, vous avez la parole, vous avez nous admission, et puis après ça, nous avons demandé parce qu'il se lève pour les prier pour nous terminer. Amen. Bon, je bénis nous, bon, je bénis nous, Pasteur Malikou, bon, je bénis Pasteur Christian, je bénis nous tous. Ah, demain, si Dieu veut, nous allons continuer avec Job, chapitre 4, sœur Florence, chapitre 5, sœur Anisette, chapitre 6, sœur Ulysse, chapitre 7, sœur Souffrant, chapitre 8, sœur Pascal, chapitre 9, sœur Nicole, chapitre 10, sœur Iva, chapitre 11, sœur Lucie, et chapitre 12, sœur Almire, à la gloire. La vraie terre avec sœur Almire, c'est le fou. Oui. J'ai bien, merci. Merci, merci, sœur Joannis. À nous t'en dire, Pasteur Kisler, qui a prié pour nous terminer pour la gloire de Dieu. Pasteur Kisler. Bonjour, bénis, Pasteur Mondésir. Bonjour, bénis, Sœur Joannis. Bonjour, bénis, nous toutes. C'était bien pour nous faire ensemble. Bon Dieu vivant, nous prochés. Nous reprenons de nous, la lumière par en nous. Et ça nous laisse l'entrée d'être dans les autres. Quand on va pousser cet esprit à venir de nous, et nous parlons nous, et on rentre dans pied, c'est-à-dire qu'il faut guider le chemin, il faut guider la vie. Nous. Et c'est une lumière sur l'autre le tout pour nous capables de destiner nos plans. Mais surtout, ça nous laisse la vie en éternel. Il y a gardé la serré parole dans laquelle vous ne pas pécher contre nous-mêmes, pour ne pas dérailler. Et si ça m'a fait, si ça nous comprend, sans lumière parole, sans guidance, sans directive parole, n'a fait affaire par nous, n'a fait mouvement, n'a présenté vanité, vanité, vanité. Merci parce que nous sommes nous, après nous, bien, ou rappelez-nous, ou souverain, et nous nous sommes prêts pour le peuple d'Israël, quel que soit côté de taille, la situation de taille sous terre, pour qu'on ait une terre là. Et nous sommes toujours souverain, tout. Et malgré ça, tant qu'à dérailler, personnellement, en éternel, et tant qu'on a un cas Job, nous comptons sur nous capables, et j'aime bien dire, histoire, ça y est, l'esprit, ça y est, l'expérience, ça y est, révélation, ça y est, il est utile pour être capable, en éternel, inspirer le bon Dieu. Mais nous connaissons par-dessus tout, c'est Christ là, la croix, parole vivante, là, et qui met la vie, c'est lui-même, le Seigneur de mon soir avant, qui a guidé nous, parce que c'est chemin en vérité à la vie. C'est une grâce pour nous sauver les paroles, là, pour nous mourir, non pas pour nous faire grandir. Mais pas pour nous mettre du sel, pour nous mettre sel avec sucre parmi la dedans. Mais pour nous connaître les paroles, là, c'est Christ en personne. Et bien, nous obéir, nous gens liés, là. Eh bien, nous avons toutes raisons, parce que nous avons toujours des raisons. Écoutez sous, merci encore une fois, pour Pasteur nous, qui est avec nous, inlassablement. Merci pour ceux, nous, Seigneur de Joannis, qui là, qui tout en fait admission, qui fait partage, qui fait répartition de tuyaux. Merci pour toutes les actions nous, qui montrent enthousiasme, motivation, un mouvement pour les paroles. Surtout ceux qui ont été malgré voix abaissée, nous voyons Dieu, mais ça ne va pas les mêmes abonnés dans un bouillon. Nous avons une double bénédiction. Nous avons une triple bénédiction. Nous avons une multiple bénédiction pour ceux ça, pour petites filles. Merci parce qu'on est dans la vie, mais dans la vie. Nous répondons nous, parce que nous pouvons dans le Christ là. Dans le Jésus. Amen. Merci, Pasteur Kisler. Merci tout le monde qui t'a pris avec nous. Nous comptons mot d'ordre la saluer, une l'autre, et puis nous allons rencontrer. All participants are now muted. Si Dieu veut, pour la gloire de Dieu. Bon Dieu, bénis-nous. Bon Dieu, sorry. Au lieu de mute, moi, mute. OK, bon Dieu, bénis-nous tous. Saluer, une l'autre.
La rencontre demain, si Dieu veut. Bon Dieu béni, au pasteur Mondésir. Bon Dieu béni, au pasteur Mondésir. Bon Dieu béni, nous tous. Bonne soirée. Bon Dieu béni, nous. Bon Dieu béni, nous. Voler. Balancer. Oui, balancer. Oui, un petit volet. Oui, un petit volet. Nous voilà petit chita. Kounya nous voilà voler. On nous faut y voler. On nous faut y danser. Marcher dans la salle. Nous voilà marcher dans la salle. Nous mettons fait des autres jeunes blés. Pour Dieu, fin de passer année 2023. On nous réjouit dans le Seigneur. Nous mettons marcher. À saluer mon qui va contre la ville. Bonne année dans le Seigneur. Saluer mon qui va contre la ville. Bonne année dans le Seigneur. C'est comme 2000 pour 20000 fois l'entrée. Dis bonne année dans le Seigneur. Si vous êtes merci pour aller sale pour passer. Louer,
va louer. Ay oui, sou va louer. Fim tout sou va marcher. Bon sou va fon couir. Bon sou va pou son couir.